Dans mon métier, j'ai eu l'occasion de rencontrer de grands artistes. Des auteurs, des compositeurs, des chanteurs, des poètes, des comédiens. Ce qu'ils ont créé, je pense, restera très longtemps après que nous ayons oublié leur nom. Dans les générations futures, ils seront comme des petits repères, comme ça, on ne sait pas d'où. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme exceptionnelle. Vous la connaissez ? À l'époque, je débutais en récital, comme aujourd'hui, au Palais des Congrès, j'étais très jeune, et évidemment, j'avais peur. Alors elle venait me voir dans ma loge pour me remonter le moral, me donner du courage. Il n'y a qu'une chose qu'elle n'aimait pas, c'est qu'à l'époque j'étais vêtu tout en noir. Et comme vous savez qui c'est, c'était quand même à l'époque l'hôpital qui se foutait de la charité. Quand même. Alors elle venait avec un fil et une aiguille et elle me cousait des petites paillettes bleues sur ma ceinture. À ses yeux, ça me rendait plus frais. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever de ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruit secondaire, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la nuit. À son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. Au de son bec, il a touché ma joue, et dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il était revenu. Dis l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, s'envole pour regagner le ciel. Son bec, il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu,
surgissant du passé, elle m'était revenue. Je vous parlais tout à l'heure de mes débuts au Palais des Congrès en récital. En fait, j'ai fait plein d'autres salles, pratiquement toutes. Et notamment, Bercy. Une horreur. Si, croyez-moi. Parce que si vous étiez à ma place, là, et que le dernier rang soit à 250 mètres de moi, vous verrez que le public là-haut me verrait comme une salière. Hein. C'est vrai, hein? Alors un jour, j'ai eu l'idée de construire une scène ronde, immense, que j'ai mis au milieu de Bercy, de façon à ce que le public soit tout autour de moi pour profiter un peu plus du spectacle. Et sur cette scène, figurez-vous qu'une jeune fille, oui, je peux bien dire une toute jeune fille même, elle était à peine plus haute que son cello, elle montait toute seule sur scène. Et elle m'accompagnait pour une chanson. Elle avait peur de rien. Et cette jeune fille m'a suivi dans les plupart de mes concerts. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de vous présenter mademoiselle Mathilde Sternhardt.